vi har Pierre Pilarski på stallbacken direkt efter Bald Eagles stora misslyckanden. Och hur är dina känslor precis just nu? Les sentiments tout de suite après la course. Beaucoup de tristesse. Besvikelse. Vad säger du om det som hände? Det är många upprörda känslor över alla omstarter. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui s'est passé? Il y a beaucoup d'émotions après. Ça fait partie du sport et puis comme je disais, je veux pas dire des choses à chaud parce que je suis très amer et très triste, donc je voudrais pas faire passer cette déception. Demain ça ira mieux, mais comme je disais, c'est la première fois, c'est la 52e course de sa vie. Même malade, il s'était jamais mis au galop et ça me fait mal. Jag vill inte uttala sig allt för mycket i stridens hetta, men det är klart att de är bitter och besviken på att det slutar så här. Och speciellt som han har startat 52 gånger hästen, är det första gången som han är diskvalificerad i lopp. Hans uppträdande innan loppet, vad säger du om det? Son comportement avant la course. Il est toujours comme ça, même à Vincennes, il est toujours comme ça, il est toujours pressé d'y aller. Là, c'est pas le comportement avant la course, c'est même pas trop qu'il y ait eu beaucoup de temps, c'est le départ. Il y a déjà eu un départ. Le cheval, il comprend pas qu'il faut y aller une deuxième fois. Han säger att han uppför sig ungefär likadant på Vincennes också, utan det var inte det som var problemet och inte väntan innan, utan det var just omstarten som han förstod inte att han skulle springa igen. Utan det var det som var problemet. Il avait fait un très gros effort pour prendre la tête sur la première batterie, c'est très très dur. Han säger att han la mycket kraft i den ogiltiga starten och att ja, det var där som... Är det sista gången vi får se din fina häst i Elitloppet? Det måns ju så den är fuck on va votre bourgeois là. Oui, je suis désolé, c'est définitivement pas un cheval d'Elitloppe. On peut pas faire ça au cheval et puis on peut pas faire ça au public qui nous soutient. Dire on peut pas Bald Eagle, ça peut pas être un fake ici. C'est où on est capable de venir pour gagner, mais ça c'est affreux pour moi, c'est affreux pour le cheval, mais c'est surtout affreux pour le public. Han säger att det är trist för alla, det är trist för publiken, det är trist för hästen, det är trist för dem. Och de vill inte komma tillbaka när de inte kan vara säker på att det går bra och att han kan leverera på den nivån som han är. Tack för att du tog dig tid och lycka till framöver. Merci beaucoup pour votre temps. Merci aussi beaucoup au public suédois de nous avoir accueillis. Ça a été vraiment vraiment sympathique. On n'a pas été à la hauteur et je le regrette. Han säger tack till publiken och tack till alla, och han säger att de är ledsen att de inte har kunnat leva upp till förväntningarna.